soir, OOB Mag vous emmène à la soirée organisée par la fondation de Heart Found, ici au Carlton, à Cannes. J'ai rencontré David il y a quand même 3 ou 4 ans au début de la fondation et on s'est retrouvés en Martinique. Après on a pris un autre rendez-vous à Paris, ce qui nous a emmené en Haïti quelques semaines plus tard. Donc je l'ai invité à venir en Haïti parce qu'on voulait faire des actions sur les enfants qui sont malades du cœur et qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner. Et moi, étant haïtien, en Haïti, il y en a beaucoup. Donc on a commencé avec ça, où il a soigné 2 ou 3 enfants. L'année qui a suivi, on a pris une équipe de 26 personnes, y compris infirmières, cardiologues et tout. Et là, on a opéré sur 10 enfants, à cœur ouvert. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi qui ne connaissais pas du tout le métier, j'ai eu la chance de rentrer, d'assister et de voir la manière dont ils ouvre le corps de quelqu'un, de prendre le cœur avec une petite aiguille, remplacer tout ce qui n'est pas bon pour pouvoir redonner la vie aux enfants. Ça m'a touché et je pense que ça me touche et ça me touchera jusqu'à la fin de ma vie. Je suis plutôt l'ambassadeur de Heart Found. Quand ils ont commencé, ils voulaient avoir des ambassadeurs et bon, ben, ils ont eu tapé dans beaucoup de portes et moi, ça m'a parlé tout de suite. Donc, ça fait que Didier Drogba et moi sommes les ambassadeurs officiels du Heart Found.